Et salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cet ultime épisode de cette série de Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Et voilà, derrière ce porte se trouve le combat final de ce superbe jeu que nous allons découvrir de suite ensemble. Alors, pour le coup, je vais m'équiper. Je vais bien ajuster mon inventaire. Et nous allons vivre ce combat fort intense. Alors, je garde le plus de potions que je peux. Ça, je vais le déposer. Je garde avec moi. Ça, ça suffit. Le fusil à pompe, je n'ai pas de mission, je l'enlève. Et puis, voilà. On est paré pour ce combat final face au Némésis. Je pense que c'est une surprise pour personne. Et il est temps, cette fois-ci, de mettre les choses au clair. Que moi. Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Dès là-dedans, affronte le Mésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de croix. Assure le spectacle et j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal? Bien. Tu veux du spectacle? Tu vas avoir du spectacle. Allez, c'est parti. Pour le combat final. Allez. Alors, je vais le mettre en raccourci à la place. Allez. On y va. On fait attention parce que là, c'est de la grosse bébête enragée. Allez, prends ça. Très bien. Carlos ! Elle est morte. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Ah bien sûr, j'avais prévu le Magnum. Hein. Le grosse bébête. Allez, prends ça. Allez. Alors ça, c'est une habitude. Il s'en va, il tourne autour. Où est-il ? Ah, de la compagnie des petits zombies qui arrivent en plus. Allez, bien joué, saloperie. Et le voilà, il est tombé. Ah là 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 là. C'est déjà dur de se concentrer sur Némésis, alors en plus de... Allez, je vais me soigner. Allez, Magnum. On va recharger. On esquive. Allez. Il est reparti. C'est bien, c'est... au moins il a fait le ménage. Il y en a d'autres qui arrivent, des zombies. Numéro 8. Numéro 8. Ah bah malheureusement. Ouais, je vais esquiver plutôt. Tiens, prends ça. Je vais me soigner. Hey Jill. Allez. Ça me fait voir de toutes les couleurs là. Putain, celui-là là. Je vais me soigner.
ça va être très très difficile quand c'est comme ça. Allez, grenade incendiaire. Oh, putain. Il est parti, ce vilain. Y'en a d'autres qui arrivent. Alors. Sur ta gauche. Tiens. Je vais pas te laisser te relever, moi, je te le dis. Vite, faut que je me soigne. En fait, ça va. Allez. Allez, vite que je me soigne. Ah, je veux bien tenir bon. Aide-moi un peu. Je peux... Prends cher là, je te le dis. Allez, prends ça. Et voilà comment je règle le compte, son compte. Je t'envoie la grue. Accroche-toi à elle. Gros clin d'œil à Alien quand même. Hein. Cette couleur jaune là. Alien le retour. J'ai réduit cette saloperie en bouillie. Alors autant le Némésis, c'est un gros gros vilain bien tenace, autant le Nikolai, franchement c'est une tête à claque. Il faut que je récupère ça. Il est pire que le Némésis le mec. Spécification d'une arme. Nom du projet, Feramenic Infra Unex Génération Railgun. Canon. Fera génétique d'infanterie de nouvelle génération, nom de code, Finger, chef du projet, Cornel Garner, chef, chercheur en chef du Nest 2, en collaboration avec Armée des États-Unis, calibre 60 mm, vitesse initiale 66 000 ms. Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise, note additionnelle, l'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des utilisateurs. Cette arme est dingue, un tyran dépasse les bornes. Un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce ne serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation. Est-ce que ce qui peut être difficile à obtenir en pratique? Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? Un spray de premier secours. De la poudre noire, d'accord. Alors, l'inventaire, du coup, j'ai plus grand chose dans mon inventaire, mais j'avais de la poudre noire, je crois, stockée. Ouais, des munitions pour pistolet, on va les prendre tant qu'à faire, et de la poudre noire, super. On va combiner tout ça. Je vais sauvegarder. De toute façon. De toute façon, ce n'est qu'un être humain. Une petite balle dans la tête, c'est terminé, hein, comme on dit. Allez, je mets mon pistolet. C'est fait. Donne vaccin. Espèce de sale ordure. Oh non 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 non. Tu faut de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Ah ah ah.
Et voilà, ultime surprise, les amis. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Des données là-dessus pourraient valoir des millions. Mais... ah, je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, et voilà le véritable boss final. Il est magnifique, les amis. Regardez-moi ça. Et c'est parti pour le combat ultime. Avec cette grosse bébête. Allez, je vais récupérer. Grenade, spray, munitions. Et ça, c'est le fameux finger, du coup. On va utiliser le finger, on va voir ce que ça fait. Pareil que ça tue un tyran un coup. Eh mais Nemesis, c'est pas le tyran. Merde, faut le recharger. Allez, viens, bébête, grosse bébête là. Tu l'as senti passer, hein? Allez. T'en veux encore? Petite mandibule. Allez, tire dessus. Ma vie, je vais me soigner. Bon, tu vas me laisser le tirer dessus là, mandibule là. Ah, et voilà, il tombe. Allez, on va recharger de ça vite. Électricité. Allez, allez, allez. Allez, Jill. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se soigner. Très très bien. Munitions. Il s'est pas encore relevé. Allez. Je te mettrai à terre autant de fois qu'il le faudra. C'est bon. Une source d'alimentation à activer. Allez, je vais retirer dans le mandibule. Ça a l'air de bien fonctionner. Je vais me soigner, je vais pas prendre de risques. Ah, esquive parfaite, super. Allez, attention, charge. Et le voilà qui retombe. Allez, là-bas au fond. Mis sous tension, super, on peut utiliser le pistolet. Vite. On va lui tirer dessus. Allez, prends-toi ça. Là, il a touché. Et il tombe. Et voilà les amis, le Némésis est enfin mort, une bonne fois pour toutes. Et on reste amis.
Jill a enfin réglé ses comptes avec lui. Et maintenant, on va empêcher ce petit pourri de fuir. Archive par terre. Note sur un contact, un contrat louche. Décidément, j'aurais galéré à lire certaines choses des fois. Ça va, c'est le dernier truc à lire. Grande ligne du contrat, réception d'une offre d'un client cherchant à profiter de la crise actuelle du RC pour compromettre UC, donc Umbrella Corporation, et obtenir des parts de marché par différents moyens. A. Sabotage des tentatives d'UC de détruire les preuves de l'épidémie afin de maximiser leur culpabilité. Provocation de rencontre entre les armes biologiques du C et les forces de l'ordre et collecte des données de combat pour tester la viabilité des technologies. Compte rendu de déploiement de nouvelles armes biologiques éventuelles, y compris le projet N, voire spécification, donc le projet Nemesis bien entendu. La rémunération est supérieure à l'offre actuelle d'Umbrella Corporation et devient la propriété absolue. Cependant, le client accorde un délai de grâce avant d'utiliser les données livrées pour que le paiement d'Umbrella Corporation puisse être perçu. Et bien c'est ce que faisait notre petit Nikolai, tout simplement. Allez, c'est parti. J'étais promis, c'est pas vrai. Non ! Moindre idée de ce que tu vivais ? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Tire ! Vas-y, tire ! Je comprends ! Je vais te toucher ! Allez ! Le faut ! On n'a pas le choix ! Allez, n'hésite plus. Alors. Je savais que tu arriverais pas à tirer. Bien sûr, j'ai fait exprès, vous en doutez. Pour que vous puissiez voir cette fin alternative, tout simplement. Que j'ai trouvé très très rigolote. Tout simplement. Donc là, on va juste faire continuer. Je vais passer la cinématique et je vais lui tirer dessus cette fois-ci. Pour de bon. Tout simplement. Et au moins, vous aurez tout vu. Je peux encore rattraper. Je peux le faire. Je vous aurai montré pendant tout ce let's play à peu près, je pense, 80% ou 85% de la totalité du jeu. Il y aura juste peut-être deux petits endroits qui auront été évités ou autre. Mais vous aurez pratiquement vraiment vécu l'aventure à fond. Allez, j'ai retiré la caméra et cette fois, on n'hésite plus. Et je vous laisse avec la cinématique de fin, tout simplement, les amis. Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlo comme ça. Même si là, c'est pas loin. On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ?
Les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! T'as rien contre une petite enquête. Bien. Voilà. Terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de Pluto. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des lames. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une fois pour toutes. Et voilà. Alors, j'espère que cette aventure vous a plu. Je voulais vous faire juste profiter du... bien sûr, des gens qui ont fait le jeu, hein, ce qui est normal, par respect pour eux. Et en même temps, vous dire que... Mais qu'en tout cas, j'étais très très content de vous proposer ça sur ma chaîne. C'était du coup une première pour moi. J'ai trouvé cette expérience très très sympa. C'est pas toujours évident et facile comparé à une vidéo qui va durer que 20 minutes, où on va essayer de parler du jeu, du condensé. C'est une façon très très différente, ça va être d'approcher le sujet. J'ai trouvé ça en tout cas très très sympa, ça m'a fait super plaisir. Et c'est quelque chose que je vous reproposerai pour peut-être plus tard, pas dans l'immédiat, mais avec un autre jeu. Ça me fera vraiment plaisir de vous reproposer ça. Je voulais aussi vous faire part de qu'est-ce que j'ai pensé de ce Resident Evil 3 Remake. Je l'ai trouvé très 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 bien, parce que je trouve qu'il est très fluide, que toutes les choses sont très logiques. Bien sûr, il y a certains lieux cultes qui ont été retirés, ce qui est fort dommage. C'est dommage de faire un remake et de retirer des endroits. Je pense que c'est plus intéressant quand le remake apporte plus de nouveautés que de choses en retrait. C'est peut-être le défaut qu'on peut lui reprocher, d'être court, d'être un jeu court, tout ça et tout. Après, il est super bien réalisé. Peut-être qu'aussi, certaines maps sont un peu feignantes. C'est vrai qu'il y a eu quelques maps où c'est du recyclage comparé aux deux, qui étaient sortis quelques années avant. Et c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort, je pense, d'incorporer le beffroi, le jardin, tout ça et tout. C'est dommage. Mais en tout cas, j'ai trouvé cet épisode hyper sympathique. Il se laisse jouer tranquillement, tout simplement. La fin n'est pas décevante. Le nouveau Nemesis est très sympa. Je l'ai trouvé très très sympa, surtout le combat final. Je le trouve largement mieux et supérieur du coup que le jeu original. Donc pour moi, c'est un remake fort sympathique. Il n'égale pas non plus, voilà. Il n'est pas là pour remplacer ou être meilleur que le troisième opus, mais il est là pour apporter une nouvelle vision. C'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on peut attendre d'un remake, une nouvelle vision tout simplement d'un jeu. Et je pense qu'il le fait du coup avec brio. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu. Je sais que j'ai fait que de me répéter, ça m'a énormément plu aussi de vous proposer ça. Et puis je vous laisse du coup avec le crédit et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle aventure sur ma chaîne.